C'est un député tout droit venu d'un livre de Marcel Pagnol. Le temps allé, l'accent méridional, l'avant-de-point. Il joue la carte terroir. Julien Aubert, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Écoutez, un cappuccino. Alors donc, ce sera un cappuccino, s'il vous plaît. Julien Aubert, vous avez mis votre croix de Lorraine. Oui. Toujours. Toujours. Pour quelle raison? Parce que je viens d'un parti qui est très, très multiple en termes de sensibilité politique. Pour la petite histoire, les gens me disaient « mais vous êtes libéraux, vous êtes centristes ». J'ai dit « non, moi je suis gaulliste ». Donc au bout d'un moment, j'ai mis la croix de Lorraine sur mon affiche électorale. Et puis l'ayant sur l'affiche, j'ai dit « bah il faut que tu l'aies aussi dans la vraie vie ». Et puis j'ai gagné. Et le lendemain de l'élection, j'ai dit « bon, j'enlève la croix de Lorraine ». Puis je me suis dit, ah non, ça c'est pas sérieux, parce que ça fait quelqu'un qui porte ses idées politiques pendant les campagnes et qui l'oublie une fois élu. Donc je dis, bah, tu es condamné à porter de la croix de Lorraine. Vous ne vous en départissez jamais. Voilà, mais vous aurez remarqué que le symbole n'est pas tout à fait le même, parce qu'un jour dans le métro, on m'a dit, pardon mon père, et là je me suis dit que ça n'allait pas m'aider dans ma vie conjugale ni maritale. Et donc j'ai réussi à concilier mes opinions politiques tout en gardant la croix de Lorraine, à travers un symbole légèrement différent, qui est le symbole de mon mouvement, qui s'appelle Oser la France. On peut encore être gaulliste aujourd'hui? Bon, écoutez, il y a bien des chrétiens 2000 ans après Jésus-Christ, donc on n'est pas si loin après le fondateur, mais je crois que les idées de départ du général de Gaulle n'ont jamais été aussi prégnantes. Le gaullisme, c'est la querelle de l'homme, c'est la place de l'homme dans la société. Et quand vous voyez ce qui se passe chez Lidl, avec des gens qui se font exploiter, les migrants méditerranéens, la place de la bioéthique, je crois qu'il y a une vraie réflexion sur l'homme, la civilisation et surtout la nation. C'est lui votre père spirituel, le général de Gaulle? Je ne l'ai pas connu. Hein. Non, père spirituel, non. Moi, j'ai connu des gens comme Philippe Séguin, Henri Guénaud, qui m'ont influencé. On vous voit là, aux côtés d'Henri Guénaud. C'est ça. J'étais plus jeune. C'était à l'Union pour la Méditerranée, parce que la particularité d'Henri, c'est que je l'ai eu comme professeur à Sciences Po. Donc j'avais 20 ans. Ensuite, je l'ai retrouvé comme collègue à la Cour des comptes, collègue patron plutôt. Puis il est parti à l'Élysée où il m'a appelé, donc je l'ai eu comme patron à l'Élysée. Et puis j'ai claqué la porte parce que j'ai donné ma démission. Vous voyez, on a des pères fondateurs, mais... Et je l'ai retrouvé comme collègue à l'Assemblée nationale. Donc on peut dire que j'ai une maîtrise S. Henri Guénaud en termes de parcours. Voilà. Donc c'est lui votre père spirituel? Si on devait choisir quelqu'un qui m'a influencé, je pense qu'il fait partie des gens qui m'ont influencé beaucoup au niveau des idées. Ouais. J'espère, j'ai pas tout à fait le même caractère que lui, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour la profondeur de sa réflexion. C'est quelqu'un qui essaye de penser. Quand on vous assimile à la droite musclée, comment vous le prenez? Non, c'est pas péjoratif d'être musclé. Mais je pense qu'il y a une erreur dans le positionnement. C'est que le courant de pensée auquel je me rattache n'est pas forcément de droite. Il y a eu des gaullistes de gauche. Moi, il m'arrive de voter avec des gens qui sont des communistes. À Oser la France, dans mon mouvement, j'ai des gens de gauche. Bon, l'un de mes vice-présidents, c'est l'ancien suppléant de Benoît Hamon, vous imaginez? Donc ça me fait quand même doucement rire quand on me dit que si j'étais la droite aussi musclée que ce qu'on me dit, comment ça se fait que je travaillerais avec des gens qui sont principalement, qui sont soi-disant mes adversaires politiques. Regardez ensemble une de vos interventions. Avec plaisir. Dans l'hémicycle. Monsieur Aubert. Merci, Madame le Président. Monsieur Aubert, je vous fais un petit rappel à l'ordre. C'est Madame la Présidente. Le 129, Monsieur Aubert. Merci, Madame. J'en profite en introduction, puisque vous m'avez... Non, madame, ça va pas non plus. Vous m'avez menacé. Non. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte... Donc c'est madame la présidente. J'utilise les termes de l'Académie française. Rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, madame le président. C'était véritablement pour respecter les règles de l'Académie française ou c'était un prétexte à une joute verbale? À l'époque, ça a été complètement mal analysé par les gens. Oui, il se trouve que je parle français. Mais en français, j'ai raison. On dit « Madame le Président ». Cette dame est une féministe qui considère qu'il faut féminiser les titres. Je suis politiquement contre la féminisation des titres
parce que je pense que c'est introduire, je dirais, des choses qui n'ont pas dans la langue. On dit une table, elle n'est pas forcément une femme ou un homme. Donc, elle a utilisé son pouvoir de président de séance pour m'imposer son opinion politique. Je n'ai jamais violé le règlement. Vous n'avez strictement rien dans le règlement. Elle n'avait pas la possibilité de me sanctionner. Elle l'a quand même fait, et on m'a accusé, moi, ensuite, de faire de la provocation. Si vous commencez à sanctionner l'expression, la libre expression des parlementaires sur un fond politique, parce que c'est un conflit politique, et l'écriture... Mais il y a un usage aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a un usage qu'on a imposé suite à ceci, parce qu'on a fait peur. Féminiser les titres, c'est être moralisant? Non. Féminiser les titres, c'est considérer que le langage, la manière dont on parle, produit une forme de domination des hommes sur les femmes. On a déjà suffisamment de sujets sur lesquels on peut ne pas être d'accord, mais si en plus je crée un vocabulaire de gauche et un vocabulaire de droite, on n'en sortira pas. On le voit en tout cas, vous aimez chahuter dans l'hémicycle et vous aimez les coups d'éclat. Ah, bon, si vous le dites. C'est pas votre sentiment? Moi j'aime la vie, hein. Après, si le Parlement, ça doit être un lieu où on lit sa petite fiche de Bristol rédigée par son assistant parlementaire, alors j'ai plus ma place au Parlement. Mais c'est parce que le Parlement est devenu un volcan éteint que la rue est en fusion. Le théâtre, c'est votre autre passion? Ça l'a été avant d'être élu, quand j'étais plus jeune. Oui. Vous auriez aimé faire le cours Florent? Oui, j'ai hésité à le faire, oui. Finalement, vous conciliez les deux avec la politique, non? Il y a une part d'acteur dans ce rôle d'homme politique. Mais est-ce que tous les hommes politiques n'ont pas une part de... À partir du moment où vous avez une interface sociale, simplement, dans la question d'être un acteur, on a introduit l'idée qu'on jouerait un rôle et qu'il y aurait donc deux personnes. Il y aurait le Julien Aubert homme politique qui dirait des choses et qui revêtrait un masque, alors qu'en réalité, je suis absolument le même en hémicycle et à la maison. Et dans la circonscription. Peut-être au grand désespoir de ma femme. Arrêtez donc de croire qu'il va y avoir une élection présidentielle. Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu. Il n'y a pas à choisir. Il y a à le célébrer. Ce n'est même pas la peine de vous déranger. Circulez. Il n'y a rien à voir. On le voit, vous aimez ça. Oui, j'aime la puissance des mots et j'aime parler, sinon je ne ferais pas ce discours. C'est Léna qui vous a appris cet art oratoire ou c'était inné? Léna ne vous apprend pas l'art oratoire. Non, vous apprenez... alors je ne sais pas si j'ai un art oratoire, d'abord je n'ai jamais pris de cours, mais vous apprenez à Sciences Po à structurer vos idées et ne pas avoir le stress. J'ai appris au théâtre à ne pas avoir le trac, ce qui est légèrement différent du stress. En fait, plus vous prenez la parole en public... Plus c'est inné, mais disons que l'improvisation, je dirais, c'est plus un héritage de Sciences Po. Là, on vous voit, c'est à Léna avec des camarades de promotion. Oui. Léna, vous avez rencontré Emmanuel Macron? Oui. Vous étiez dans la même promotion? Vous êtes bien informé. Vous en gardez quel souvenir? D'un garçon distant, mais sympathique, ami avec tout le monde, solaire, dilettante, donc brillant, bel ami. C'est ça, le bon copain. Vous en gardez quoi de Léna? C'est une école qui est très critiquée, à juste titre, parce que en réalité, elle est là pour classer. C'est un peu comme les Républicains, si vous voulez. De la même manière qu'un parti ne doit pas seulement être une machine à investir, une école ne doit pas seulement être une machine à classer. Donc Léna fait très bien. Simplement, elle note beaucoup à la gueule. Moi, j'ai eu 6 au grand oral de Léna. Une note de stage qui était très moyenne et où j'étais en milieu de classement. Ce sont les épreuves anonymes qui m'ont sauvé et qui m'ont permis de sortir confortablement. Un délit de sale gueule? Non, un délit de code. Et à l'ENA, je trouve qu'on vous apprend surtout à répéter ce que les autres pensent et pas à penser par vous-même. Le député républicain doit son élection au retrait de la candidate Martine Furioli-Bonnier du Rassemblement Bleu Marine. Elle s'était illustrée en arrivant en troisième position. Julien Aubert a toujours nié avoir passé un accord. Je me suis engagé, je lui avais dit, si un jour vous avez besoin d'aide, oui, on peut vous aider. Voilà. Mais parce qu'elle me disait, je vais être dans une situation de difficulté. La question est de savoir, est-ce qu'il y a eu un accord entre le Front National et l'UMP? Non. Le Front National a fait campagne contre moi. Lui, de son côté,
il n'arrêtait pas de faire des promesses. Il voulait absolument que je me désiste pour lui, quoi, voilà. Mais il ne savait pas que j'avais pris la décision politiquement. Condition particulière pour cette élection. En réalité, cette dame a découvert qu'elle était un pion dans un jeu et que son maintien face à moi permettrait de faire élire Marion Maréchal Le Pen. Et effectivement, j'en ai bénéficié. Mais ça montre la très grande sensibilité du sujet. Et puis, sa cuisine électorale. Oui, moi, que j'ai découverte, je dirais, à mon corps défendant, parce que j'étais un peu naïf. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, subitement, la fille vous appelle en disant « je me retire parce qu'il y a des accords secrets, etc. » Là, là, bon, vous, c'est quand même le coup de chance. Le Front National est très présent dans le Vaucluse. Il l'était, en tout cas. Vous assumez, vous l'avez dit, vous placez à 3 cm du Front National pour montrer à ses représentants que vous n'avez pas peur d'eux. Oui. C'est quoi 3 cm ? Vous voulez que je me place à 3 cm de vous pour voir si je vous fais pas ? Non, c'est une image. Oui. Elle est où votre différence avec le Front National ? Ah mais c'est ça, attendez. La différence avec le Front National, ouais. Elle est très simple. Premièrement, le Front National est un conglomérat. Vous avez des gens qui sont issus de nos rangs, donc ils pensent pas très loin de moi d'ailleurs, et puis d'autres qui sont en réalité issus de l'extrême droite traditionnelle et classique, c'est-à-dire que leur amour de la France est surtout une détestation de l'étranger. Or moi je maintiens qu'il y a une différence entre détester les autres et aimer les siens. Deuxièmement, au plan économique, le Front National est un parti qui oscille entre libéralisme exacerbé et étatisme. Alors que foncièrement, je pense que l'État garantit la liberté. Mais vous vous accusez régulièrement, les uns les autres, de vous voler les idées. Voler les idées, je ne sais pas. Voler la sémantique, c'est certain. Voler les idées, vous savez qui a la paternité d'une idée, ça procède d'une idéologie. Voler les termes, c'est évident. Enfin, prenez la stratégie du Rassemblement Bleu Marine, Rassemblement National. Ils sont bien venus chercher un mot qui faisait partie de la droite. Quand vous dites Rassemblement Bleu Marine, le bleu, ça a toujours été la couleur de la droite. Donc l'idée, c'est bien de dire le nouveau parti gaulliste, c'est nous. Votre objectif à vous, c'est de vous réapproprier ces mots ? Mon objectif à moi, c'est de réveiller un courant de pensée qui s'est appelé à un moment donné le gaullisme, mais qui a pu s'appeler à d'autres moments le séguinisme, etc., qui est un courant de pensée de droite, mais pas forcément du côté, si vous voulez, entre guillemets, du capitalisme débridé, qui est du côté de l'ordre, mais pas forcément du côté de la répression, qui veut bâtir une nouvelle économie centré sur l'humain, de convaincre mes concitoyens que c'est la seule voie pour sortir ce pays de l'ornière, et que il y a des choses qui peuvent y repenser mais qui n'ont rien à voir. Merci à vous. Merci Julien Aubert d'avoir accepté de vous livrer dans Et Moi et Moi. Merci. Merci.